Hello. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va. Bon, on est à BTC Prague. Qu'est-ce que vous venez faire ici? C'est quoi votre projet? La plus grande conférence Bitcoin d'Europe, on ne peut pas la louper. Ah, donc je m'appelle Roxy, je suis créateur de Découvre Bitcoin. Ici, nous, on fait surtout de l'éducation. Éducation gratuite sur Bitcoin, du début à la fin. Donc quand on commence à tomber dans Bitcoin jusqu'au moment où vous voulez devenir à travailler dans cette industrie, à contribuer, à donner votre temps, on est là pour vous accompagner avec des ressources éducationnelles. Ok, trop cool. J'ai entendu parler que vous aviez peut-être un partenariat avec le Salvador. Exactement. Pour vous mettre à promouvoir du contenu, à mettre en place toute une éducation là-bas. Comment ça se passe? Exactement. Alors le Salvador, vous le savez, c'est un phénomène, hein. C'est incroyable ce qui se passe, un nid d'opportunité pour ce peuple. Du coup, j'y suis allé plusieurs fois. À travers mes voyages, j'ai pu faire des contacts, j'ai pu essayer de faire de l'éducation sur place, un hackathon à Taco, faire des présentations dans des écoles locales. Et d'opportunité en opportunité, on se retrouve à essayer de promouvoir un système d'éducation des écoles vers le reste du pays, où dans chaque école, on a envie de mettre en place un nœud Lightning, un ATM Lightning, et vraiment essayer d'éduquer les élèves à avoir une responsabilité financière, à changer leur monnaie pour du Lightning et le dépenser dans les commerçants d'à côté. Donc on veut essayer au Salvador de créer une éducation au niveau des collèges, où les étudiants vont devenir le point central de la distribution des sats chez les commerçants qu'ils connaissent. Moi, je crois qu'on a oublié un truc super important. C'est que vous avez une nouvelle version de votre site, un nouveau produit. C'est quoi exactement? Exactement, ça découvre Bitcoin, ça a commencé avec un podcast, une chaîne YouTube. Ouais. Aujourd'hui, c'est vraiment une université où est-ce que nos étudiants vont se connecter, suivre des cours. On a plus de 10 formations qui sont disponibles, que ça soit Bitcoin 101 pour les débutants, jusqu'à la cryptographie, la gestion des no lightning, l'économie autrichienne, la finance. On essaie vraiment d'avoir un panel pour accompagner nos étudiants. Et on a la nouvelle plateforme qui vient de sortir, ça s'appelle Sovereign University. C'est une plateforme qui peut permettre de scale, qui permet de faire des trucs un peu cool, d'être dans toutes les langues. Donc elle est open source à 100%, c'est sur le GitHub, découvre Bitcoin, le GitHub, /Sovereign University, et vous avez la data. Vous pouvez la fort contribuer, aider, rajouter du contenu si vous voulez. C'est vraiment fait pour vous, pour que vous puissiez apprendre. Et merci à toutes les personnes qui ont travaillé pour la créer, parce que c'est un sacré boulot. Ouais, j'imagine. Vous êtes aussi connu pour quelque chose, c'est la mise en place des meet-ups, la map de France, on voit chacun des points. Ça, c'est trop cool. J'y ai participé moi-même à Bordeaux et j'ai rencontré des gens formidables. Et en vrai, c'est vraiment cool ce que vous avez fait. Est-ce que t'as des trucs, des petits mots à ajouter là-dessus? Ouais, déjà, je suis content qu'on me connaisse pour ça et pas pour les pizzas à l'ananas, parce que je pensais que t'allais partir là-dessus. Je connaissais même pas. Non, les meet-ups Bitcoin, ça, j'ai su traiter en fait comment la communauté l'a réceptionné. Ouais. C'était une idée, une bouteille lancée à la mer. Les gars, il faut qu'on se bouge le cul. Faut qu'on crée des meet-ups, on va les faire tous les premiers mercredis du mois, on va le faire de façon organisée, décentralisée, et ça a marché. Aujourd'hui, il y a plus de 40 meet-ups qui se créent en France, que ce soit 5 personnes, 10, 20, 30 personnes, c'est pas important. L'important, c'est d'être consistant, qu'il y ait un point de ralliement des bitcoiners dans chaque ville, chaque village, et de là, on va pouvoir vraiment avoir une adoption locale, décentralisée partout, organique. Je pense que c'est comme ça qu'on peut réussir. Donc bravo aux organisateurs des événements, bravo aux gens qui participent, c'est super ce que vous faites. Bah, merci pour ton temps. Merci à toi. À la prochaine.